Salut les tchèpes! Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un petit JDB. On va vous montrer le tour agricole qu'on a fait un petit peu partout. On a un tout petit peu progressé sur la question du vélo. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le dernier JDB, on est en train de se poser des questions, ou même on est en train plutôt d'agir, même carrément, pour limiter vraiment au strict essentiel les déplacements en voiture. Parce que là, l'essence est à presque 2 euros. Donc, clairement, c'est plus possible. Et on est vraiment en capacité de faire nos trajets avec ce moyen de locomotion. Tout simplement parce qu'on a la chance, justement, d'être à proximité de nos lieux de travail et aussi des lieux où on fait des courses. Pour vous donner une petite idée, en fait, bah, Agnès, elle travaille à peu près à 5 km et Craponne serait à peu près à 7-8 bornes d'ici, 7 km. Donc, c'est des distances qui sont très faibles, finalement, et qui peuvent largement être parcourus à vélo, surtout que bah, nous, bon, on est jeunes quand même, bon, on a un passif, on va insister sur passif de sportif, parce qu'il va falloir se remettre un petit peu à l'effort, mais en tout cas, on a le goût de l'effort, on a le mental de l'effort, donc on sait que ça va pouvoir le faire. Alors du coup, bah, vous voyez là, on a investi là-dedans, donc c'est une seconde main, hein. On achète toujours d'occasion, nous, déjà parce que d'une part, on n'a pas les moyens, d'autre part, on est radin, et puis par conviction aussi. Donc voilà, donc ça, c'est un vélo qu'on a acheté d'occasion, il était à 140 euros, on a essayé de négocier à 125, parce qu'il y avait un tout petit peu de travail à faire dessus. Donc voilà, et donc bah, du coup, la difficulté, en fait, c'était de trouver surtout un vélo à la taille d'Agnès. Parce que j'ai un modèle de femme S. Donc il a fallu prendre un cadre S, voilà. Donc en 26 pouces. Et donc à VTT, parce qu'on a une partie qui est vraiment chemin pour sortir d'ici. Et puis parce que bah, quand on va rendre visite à Roland, on passe à chaque fois, en fait, on passe par la forêt, hein, quand on coupe par la forêt. Et clairement, ça ne se fera pas en VTC. Donc voilà, donc, le vélo est sympa. Donc bon, c'est Nakamura, c'est une marque Go Sport, hein, c'est pas une marque exceptionnelle. De toute façon, là, on ne cherche pas un vélo non plus incroyable, quoi. Donc voilà, donc du coup, donc, suspension avant, cadre aluminium, deux petits freins normaux, V-break. Et donc là, on va d'abord tester, ce que l'idée, donc, c'était de passer sur de l'électrique, parce que dans notre idée, ouais, vélo, c'est dur, tout ça. Et en fait, en faisant un peu comme ça, on s'est aperçu que ben, le vélo, c'est quand même ultra efficace, vraiment ultra efficace. Quand on a un bon vélo, on mange les bornes facilement. Et donc, encore une fois, au vu des distances qu'on a, l'électrique est peut-être pas nécessaire. En tout cas, on va d'abord faire l'essai sans. Parce que si ces trajets sont gérables comme ça, on ne va pas investir dedans. Et puis en plus, bah, ça nous obligera quelque part voilà, à forcer un peu le cardio, puis à retrouver une bonne santé, quoi. Donc voilà, donc d'abord, en premier lieu, on commence comme ça. Et si on voit que ce n'est pas tenable dans le temps, que c'est un effort trop dur en fin de journée, surtout, eh bien, on passera à autre chose. Voilà, bon, moi, je sais que j'ai déjà eu fait ça, d'aller au travail en vélo, hein, quand je travaillais en 2-8 là, les soirs où j'étais, quand j'étais du soir en 13-21h, eh bien je faisais ça et ça me dérangeait pas plus que ça, donc on va voir. Après, quand même, il y a une bonne grosse montée sur la fin, donc on va voir tout ça. Voilà, donc sinon, en petite bricole, ben, il va falloir qu'on je vais acheter des patins d'avance, parce que ceux-là ils sont quand même bien un peu usés, même bien usés. Donc je vais acheter des patins d'avance, histoire d'en avoir en stock et de changer quand ce sera bien le moment. C'est bien réglé, les vitesses passent toutes bien. Donc voilà, il y aura peut-être la roue avant à regarder un peu parce qu'elle est voilée. Bon, mais bref, je vais continuer à parler en avançant. Il y aura les poignées aussi à changer, enfin bon, des bricoles. Mais donc du coup, là, on rentre dans la mécanique. Eh oui, parce que à vélo, il y a aussi de la mécanique, mais ça on a le droit parce qu'on n'utilise pas de pétrole et pas d'huile. Alors du coup, la mécanique sur un vélo, ok, on a le droit. Non, non, mais du coup, ben, moi j'en ai jamais trop fait, hein, finalement, de la mécanique sur les vélos. Parce que quand j'étais gosse, je l'ai plié et puis après, je l'allais faire réparer. Puis j'en ai plié. Hein. Oh, les jantes, j'en ai passé des jantes. Bon, enfin bref. Et du coup, donc moi, ce que j'aime, c'est avoir le matériel. C'est une première chose. Mais après, derrière, moi, je pars du principe que tu as le matériel, puis ensuite, tu as les outils et les compétences pour maintenir ce matériel. Hein, pour moi, c'est un ensemble. Sinon, c'est zéro. Voilà, moi, j'y vois comme ça. Et pour tout, hein, et vraiment pour tout. Donc là, du coup, il y aura quelques outils un peu spécifiques à acheter. Bon, j'ai le plus gros, je l'ai déjà. Mais par exemple, pour dévoiler des roues,
Il y a un outil spécifique pour pouvoir jauger tout ça. Ça, je ne l'ai jamais fait, hein, dévoiler une roue. Je me rappelle un jour, quand j'étais au lycée, donc j'étais en déterminant sport, et on avait fait un raid VTT. Donc le raid VTT, c'était sur 3 jours. Je crois qu'on allait... putain, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie. Mais on allait de Chamalières jusqu'au Mont d'Or ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bon, on enquillait 120 bornes par jour. Hein. C'était... moi, j'étais cramé, hein, il m'avait tué. Là. Et surtout, je faisais le con. Et le deuxième jour, j'ai fini dans le fossé avec la roue en Z. Et du coup, et ben là, c'était la grosse merde. Et ça va qu'il y avait mes professeurs qui étaient vraiment des bons, qui avaient réussi à la dévoiler. Et j'avais fini le raid comme ça. Et quand je freinais, parce qu'il y avait un endroit, ça faisait une boursouflure sur la jambe. Et quand je freinais, ça me mettait des jetés comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, enfin, bref. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, Agnès a son vélo. Il est fonctionnel. Il nécessite un petit peu de suivi, peut-être un petit peu d'amélioration. Et moi, le mien, là, mes parents me l'emmènent... Samedi, donc, je retrouve mon vélo, qui est un vélo d'entrée de gamme de la marque Giant. Et donc, ça ira impeccable, quoi. Donc, voilà. Et donc, l'idée, là, c'est que c'est pas de laisser Agnès toute seule dans sa merde. Hein, je vais pas, tiens chérie, voilà, t'as un vélo maintenant, c'est fini la voiture, hop hop hop. Non, on va essayer de se motiver, enfin même, c'est pas on va essayer, on va ensemble faire les trajets. Donc voilà, donc puis moi ça me fera vraiment pas de mal, et puis voilà, et puis Agnès sera plus rassurée, et puis moi je me rendrai mieux compte aussi de la difficulté de la chose, et on pourra jauger ensemble. Enfin bon, l'idée c'est de faire un effort commun, hein, parce que. Voilà, ça marche pas, quoi. Donc voilà pour la question. Et donc, ça nous ferait... Alors là, en un mois, on a rentabilisé le vélo. Au prix de l'essence actuelle, allez, 2 mois. Ouais, en 2 mois, ouais. En 2 mois, on a rentabilisé l'investissement qu'on a fait. Ben non, mais là, on a fait combien là, de plein, là, tout à l'heure ? C'est 63 euros, un plein d'air. Ah, 63 euros, ouais. Et donc, on passe un plein par mois, à peu près. Oui. On passe 63 euros d'essence pour la voiture par mois. Voilà, donc du coup, effectivement, pardon, en 2 mois, on aura rentabilisé cet achat d'occasion. Donc, c'est énorme, quoi. Et oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que du coup, mes parents me ramènent ce vélo et probablement la remorque Michelin de ma grand-mère. Parce qu'elle a une remorque Michelin que je ziote depuis de nombreuses années, mais j'ai jamais eu la place de récupérer. Bon, j'ai pas plus la place aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Et donc, la petite remorque Michelin. Et donc, l'idée... Après, parce qu'on va y aller. Le sport, c'est toujours progressivement. Hein. Parce que ça, c'est le pire. Alors, le pire truc pour la reprise du sport, c'est de vouloir tout faire d'un coup. Et vas-y, que je fais du sport, et que je fais un régime, et que je fais ci, et que je fais ça, vous explosez en plein vol. Donc, c'est tout. De toute façon, il faut tout faire par étapes. Et donc là, on va d'abord commencer par faire les trajets quotidiens d'Agnès en vélo. Donc, il s'agit de 4 allers-retours dans la semaine, parce qu'elle va travailler 2 jours par semaine. Donc 18 km par semaine, franchement, ça devrait aller. Et ensuite, on va basculer sur le trajet, parce qu'on fait un trajet presque toutes les 3 semaines. On fait toutes les 2-3 semaines. On ne fait pas les courses toutes les semaines. Non, mais pas toutes les semaines, mais on va au moins une fois par semaine à Craponne, non ? Oui, mais les grosses courses comme on a fait là. Ah oui, on va ça une fois tous les mois. Ouais, bah, presque une fois tous les mois. Donc, il y aura un trajet plus tard de ravitaillement, que j'appelle le ravitaillement, parce que nous, en fait, je parle trop là, je vous ai rien montré, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est que déjà, on a une politique qui est drastique sur l'utilisation du véhicule. On ne va jamais prendre la bagnole pour aller chercher une baguette. Hein. Pour nous, ça, c'est une hérésie, il ne faut pas nous en parler, ça nous énerve. Hein. Donc, quand on prend la voiture, on y passe la matinée à Craponne. C'est-à-dire que là-bas, on fait toutes les courses, tous les rendez-vous, la déchetterie, on y va s'il faut, le tri, on fait la totale. On revient avec la bagnole chargée à bloc, enfin voilà quoi. Et donc, ça sera le même principe qu'on essaiera de faire à vélo, donc avec cette remorque Michelin bien chargée et peut-être un sac chacun. Mais ça, encore une fois, ça viendra plus tard. L'idée, c'est vraiment de limiter au maximum l'utilisation de la voiture parce que économiquement, ça va faire une économie complètement dingue, ça va pouvoir nous aider à investir encore plus sur ces installations-là. Donc là, c'est vraiment un manque à gagner qu'on peut récupérer avec un petit effort. Et puis franchement,
ça nous fera vraiment pas de mal, hein, parce que là, j'en ai ras le cul, moi, passé 30 ans, vous savez, les gars, le métabolisme, c'est plus le même, tu commences à stocker dans le bide et tout, je suis dégueulasse, là, c'est bon, quoi. Et puis, Agnès, c'est pareil, moi, j'aime bien les culs fermes, moi. Oh, ça va, je plaisante. Oh, mon amour. Fais voir ta petite tête. Oh là là. Là, on coupera ça, je pense. Non, mais c'est bien aussi. C'est quand même bien. Alors, je suis un peu grivois, mais avec un peu de sérieux. C'est bon aussi pour la libido d'un couple, pour sa bonne entente, hein, sexuelle, disons-le carrément, hein, que ben, d'être bien, quoi. Hein, on se pécho mieux comme ça. Non, mais il faut le savoir. Je sais pas si je le laisserai, mais non, mais c'est vrai que ben, ça, c'est un truc. Ça, le désir dans un couple, c'est important. C'est très très important et ça se cultive, hein. Sinon après on se regarde plus, on s'aime plus, ben voilà quoi. C'était quoi cette merde? Moi, oh non, moi je m'aime pour comme ça, hein. Oh vache. Oh non, et ce qu'on appelle, je suis en ce moment ce qu'on appelle un skinny fat. C'est ce que c'est, un skinny fat. C'est maigre gras souillé. Ouais, c'est ce qu'il y a de pire, franchement. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, quoi. Et ça, c'est l'horreur, ça. Et toi, t'as le cul gras. Mais toi encore, t'as bien gardé, toi. Toi, t'es. De toute façon, toi, t'es. Ouais, toi, c'est abusé. Ouais. Non, mais toi, c'est carrément abusé. On dirait que ta mère, elle t'a accouché sous testostérone tellement t'es faite. Je vais où, moi? La cuve. La cuve. Ah voilà, oui. Bah, excusez-moi. C'est n'importe quoi. On raconte que de la merde. Écoute, ils ont l'habitude. Hein. Bon, alors, voilà, donc ça, je vous en avais parlé le dernier coup. Ici, donc, on a la cuve. Et donc, bah, là, voilà, la mise en place a été simple. Hein. Je ne vais pas vous faire un time-lapse là-dessus. Donc là, du coup, un petit ciment sable. Bien dosé, le ciment, je vous garantis. On avait peut-être mis un peu trop. Mais bon, ça tient impeccable. Donc, la cuve posée de niveau. Et donc, ce qu'on a fait, évidemment, comme c'était prévu, hein, je vous en avais parlé, c'est de mettre cette ceinture derrière. Donc voilà, donc là, on a une cornière qui est scellé dans le ciment, hein, et donc ici le petit cerclage métallique avec deux vis, deux petits boulons ici, et donc bah voilà, donc ça permet à la cuve de ne pas s'envoler, hein. Donc c'était ça l'idée, c'était voilà, qu'au moindre coup de vent, quand elle est vide, elle ne s'en aille pas. Voilà, donc ça c'est fait, c'est impeccable. Donc pour l'instant elle est remplie à l'aide du tuyau d'arrosage qui prend dans le bachat là-bas, je peux vous montrer si vous le voulez, et donc voilà, donc pour l'instant c'est comme ça. C'est des choses encore une fois qui sont appelées à évoluer, hein. Tout le système d'eau est clairement pas abouti. Là, vous voyez, on en est encore avec des rallonges branchées sur des rallonges. C'est chiant à crever. Ça sera dans le futur. Dans le futur, on aura un câble enterré, on aura du playmout enterré et tout. Donc pour l'instant, voilà, on remplit et on arrose grâce à ce bachat qui est là et une petite pompe de surface. Donc voilà, donc là j'y tiens propre avec le débroussailleur et voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas trop mal. Mais bon, enfin, ça fait partie des choses que je suis pressé de faire, mais c'est toujours pareil, on peut pas être partout, on peut pas dépenser sur tous les sujets, c'est pas possible. C'est sûr que s'il y avait des fonds illimités, je vous garantis que ça irait encore plus vite. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est ce qu'on se disait avec Agnès, c'est que on pose aussi vite qu'on achète. Non, on pose même plus vite qu'on achète. C'est ça qui est bien. Dans le sens où on voit autour de nous, on constate, il y a beaucoup de gens, en fait, ils achètent des matériaux, du matos, etc. Ils entassent, ils stockent, etc. Et les chantiers ne se font jamais ou ça traîne. Mais nous, c'est l'inverse. C'est que, en fait, c'est à peine acheté que c'est déjà posé. Et du coup, enfin voilà, c'est pareil, ça. C'est que, bon, enfin, bon, bref. Mais c'est plutôt une bonne chose. Hein. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas... Il ne faut pas laisser traîner les chantiers, parce que c'est le meilleur moyen d'accumuler tout un tas de trucs, d'avoir le sentiment d'être en retard, de ne pas avancer et tout. Moi, j'aime bien, j'achète, je pose. Enfin, on pose, on achète, on pose, hein, bien sûr. C'est comme en magasin, le stock, ça coûte cher. Oui, et le stock coûte cher, la place coûte cher, vous le savez bien, hein, on fait que ça, d'en construire. D'ailleurs, il y aura à l'automne un garage à vélo. Hein. Vous savez, la pantille que je veux mettre à côté du hangar, je vais le faire. Je vais le faire dans pas longtemps. Donc là, ça sera l'idée, ça sera de pouvoir mettre, à mon avis, le 4x4 ou la remorque, à mon avis, plutôt le 4x4, et l'autre espace, donc faire un garage à vélo pour mettre les deux vélos, la remorque Michelin
Et ensuite, peut-être faire un petit établi spécial vélo, parce que, ou à voir, on ne sait pas encore. Mais il faudra encore de la place, de toute façon. Hein ? Bah, de toute façon, et ça c'est pareil, c'est ce qu'on se disait. À peine tu as fini de construire un truc, tu sais, tu peux pas te dire, tiens, j'ai construit ça, avec quoi je vais... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans ? Non, c'est déjà défini et c'est déjà rempli à bloc. C'est infernal. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, non, mais c'est sûr. Enfin, voilà, c'est vrai, hein, c'est bien d'avoir des vélos, mais bon, encore une fois, il faut la place pour les poser. Hein. À chaque fois que tu as du matériel, la question se pose de où est-ce qu'on va le ranger. Hein. C'est pas dehors que ça se passe. Hein. Enfin voilà, donc du coup, ça, c'est notre travail des derniers jours. Donc, comme vous voyez, ben, on a bien avancé. En fait, l'idée là, c'était de finir de nettoyer cette ruine de manière à ce que quand je passe avec le débroussailleur, je sois pas emmerdé. Hein. Donc, pour ceux qui savent, longtemps, il y a eu un énorme linteau en béton. Bon, je sais pas si je vous retrouverai les vidéos, mais un énorme linteau en béton que j'avais découpé à la tronçonneuse thermique là, et on avait réussi avec Raymond tant bien que mal à le casser et à le foutre là-haut. Donc ça, c'est débarrassé. Et ensuite, eh bien, on a tout fini de curer. Il faut savoir qu'à l'époque, là, pour ceux qui sont abonnés depuis le début, des gravats, il y en avait de cette hauteur, hein, sur toute la surface. Hein. On a enlevé des mètres cubes. Hein, et tout ça avec mon tracteur sous-dimensionné. Hein. Donc voilà, donc là, c'est bien nickel, c'est propre. Si des fois ça venait à pousser, ben voilà, un coup de débroussailleur, c'est vite fait. Je passerai aussi moins de fil, parce que c'est ça le problème, c'est quand on passe le débroussailleur sur des endroits qui sont pleins de saloperies, ben, tu casses à fond de fil, t'en consommes énormément. Et on en a profité donc pour nettoyer et retrouver l'ancien plancher, enfin oui, l'ancien sol, on va dire, de la grange, hein, qui était fait donc de pierre, avec des joints d'argile, j'imagine, quelque chose comme ça, ou des joints de chaux, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, et on voit les anciennes rigoles, puisque bah, ici c'était une étable, hein. Donc les rigoles qui permettaient d'envoyer le lisier dans un trou de l'autre côté, là je vous montrerai après. Donc voilà, donc on a juste déblayé ça, et on voit donc que si on voulait, on pourrait... mais on va aller voir de l'autre côté, mon cœur. Et donc là, on voit qu'on pourrait, si on avait envie, là, continuer à déblayer. Bon, on a autre chose à foutre pour le moment, donc ça attendra. Mais on verra. Donc là, il y a un beau chantier aussi à faire. Moi, je suis assez impatient de le faire. Bon, c'est pas cette année, hein, parce que là, il y a gros boulot de maçonnerie. Il y a très, très gros boulot de maçonnerie. Hein. Vous voyez, là, ici, là, on va s'improviser les Jérômes. Là. Mais là, vous voyez, là, on a de la pierre à remaçonner, à recroiser là, pour retenir tout ça. Une arase à faire là-haut pour que ça soit bien propre. Là, c'est pareil, vous voyez, là, on a tout le linteau qui est pourri, là, qui doit être refait ici, là. Bon, on a même un trou, là, à ce niveau-là, il y a une pierre qui est tombée, là. Donc là, tout ça, c'est à reprendre. Alors, donc, bon, ça nous fait pas peur. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous fait peur, de toute façon. On n'y a jamais fait, mais... je vais te dire, on a déjà monté des murs en pierre sèche, alors ça nous fait pas peur. Et oui, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais du coup, toutes les pierres et les grosses pierres qui traînaient un peu, eh ben, on a commencé tranquillement eh bien, à faire ce mur en pierre sèche qui va donc ben, retenir la parcelle du dessus cacher. Enfin, voilà, enfin, ça, en gros, on va faire un mur qui va faire une diagonale comme ça, qui va reprendre tout ça. Et donc voilà. Et après, on verra parce que. Ben, je ne vais pas tout vous dire comme ça, mais là déjà, voilà, tout est propre. L'envers du mur, là, j'ai passé un coup de débroussailleur avec potion magique. Donc ça va tout crever là, et ça sera impeccable. Voilà, donc voilà pour ça. C'était. Et puis il y avait une grosse pierre aussi qu'on a retirée là-bas. J'avais mis les photos sur l'onglet communauté. Je vais vous le montrer, tiens, venez voir. Et donc là, pour le moment, là, on va faire que du terrassement. Là. Parce qu'il faut qu'on fasse un peu qu'on aille un peu mollo avec l'argent. Donc là, même si l'argent est tombé, on attend un petit peu avant d'investir dans tout ce qui sera nécessaire pour les travaux du labo. Là, on va passer une ou deux semaines où on va trimballer de la terre et de la pierre. Des trucs qui coûtent du fioul. Donc ça va quoi. En termes de budget, c'est des travaux qu'on peut se permettre. Et on va voir au fil du mois comment le budget évolue et si on peut continuer donc. Le laboratoire en achetant des matériaux. Comme je vous dis, hein, le travail ne nous fait pas peur, ça. Mais c'est la cam qui va manquer, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, bah, c'est pareil, tu vois.
Quand on a des murs à monter, qu'on a des grosses bases à faire, les pierres qui nous faisaient chier, là tu vois, il y a une espèce de gros plateau qui était là, eh ben, on les enlève et puis on les met sur la base de nos murs. En fait, bah, c'est toujours pareil, c'est que ces murs en pierre sèche, ben, ça nous permet justement de nettoyer notre terrain. Et on s'applique beaucoup plus maintenant, on fait des murs qui sont de plus en plus jolis. Aussi parce que on a été beaucoup inspiré par l'entreprise Januel. Je vous rappelle la vidéo sur les muraillers. Voilà. Donc les gros blocs, ceux que je ne peux, moi, pas traîner. Hein, parce que là, c'est en dehors de mes... Hein ? C'est celle-là qu'on a sortie. Une jolie petite table basse. Donc voilà, donc toutes les pierres qu'on sort avec Raymond, parce que bah, ça, je fais appel à Raymond, on les met ici tranquillement. Et donc ça soutiendra cette espèce de gros talus là, donc, qui est submergé là, de mauvaise herbe. Mais donc voilà, donc, tout tranquillement, en fait, on fait un enrochement au fur et à mesure des découvertes, si vous voulez. Et donc là, vous voyez que eh bien, c'est ici qu'on prend la terre végétale qui nous sert à alimenter le talus de l'entrée qu'on est en train de mettre propre. Donc voilà. Et donc là, l'idée, bon, il y a des grosses idées de terrassement, mais là, il faut une 15 tonnes. Là, Livraloc, là, justement, c'est l'entreprise où on loue notre matériel quand on a vraiment besoin de matos. Hein, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Hein. Là, l'année dernière, j'avais loué chez eux une carotteuse hein, pour faire le passage de mon électricité jusqu'au hangar. Bon, je ne vais pas acheter une carotteuse. Hein, je n'en ai pas besoin tous les jours. Ça, c'est un truc qu'on loue. C'est pareil, une 15 tonnes, je ne pourrais jamais me la payer. Par contre, elle, j'en aurai besoin tous les jours, mais je peux pas me la payer. Donc du coup, je sais pas quand, ça encore, ça, on verra en fonction des possibilités, mais la 15 tonnes, là, elle irait bien, et elle permettrait justement de soulager la terre qui s'amoncelle contre le mur de la ruine, et dans le même temps, faire le captage. Mais bon, tout ça, c'est du très gros boulot, et il y a quelques billets à sortir, hein, parce que bon, c'est bien gentil d'avoir la 15 tonnes, mais il faut aussi que la carrière de chez Perrachon, on leur prenne tant de gravier. Donc ça va être des camions, ça va être 2-3 camions qui vont venir. Enfin bon, voilà, c'est des coûts, hein, c'est des coûts quand même assez gros. Donc voilà, c'est pas des trucs qu'on peut sortir comme ça de notre chapeau. Donc voilà, donc pour l'instant, clairement, effectivement, l'eau, c'est une priorité. Mais, enfin, comment vous expliquer ? Là, ce système d'eau, il permettra l'irrigation de toute la zone maraîchère là-bas. Pour l'instant, on a suffisamment d'eau pour nos espaces potagers qui sont autour de la maison. Mais si on veut aller plus loin, il faudra qu'on travaille là-dessus avant. Hein, c'est pas, on va pas mettre en place du maraîchage, enfin des parcelles maraîchères entre guillemets, avant d'avoir assuré l'irrigation de tout ça. Donc voilà. Donc bref. Et ouais. Bon, enfin bon. Allez. Voilà, voilà. Donc ouais, et puis ben je vais pas tout vous raconter parce que vaut mieux que vous voyez les choses hein, quand elles sont faites parce que on peut tout vous dire sinon, mais bon, ça sert à rien. Et là donc là tiens, mets-toi sur cette pierre là, viens ma petite chatte. Hop. Donc voilà, donc là je sais pas comment on recommence de droite là. Voilà, donc bon, on voit le hangar, la pantie à bois, ça c'est des trucs qu'on a construits. Hein. Eh oui. Hein. Donc voilà, après au loin là-bas. Derrière le garage, on voit le poulailler. Ensuite, donc, on voit la serre et le petit abri de jardin qu'on a construit aussi. Au premier plan, donc, la ruine. Et quand on continue tranquillement, et ben après, voilà, on a les zones potagères avec la serre tunnel, mais là, on voit pas, c'est caché par les noisetiers. Là-bas, là, toute cette terre, là, ça, c'est j'ai débroussaillé. Ça, c'est un futur passage et comme une digue, en fait. Donc, voilà. Bon, ben, ça, par contre, il y aura beaucoup de papier à faire là-dessus. Et voilà. Et après, ben, tout ça, c'est ce qu'on avait... comment dire, libéré, dans le sens où il y avait beaucoup d'arbres. Donc, il y a. C'était quand ? C'était l'année dernière ou l'année d'avant ? L'année d'avant, qu'on avait tout élagué, ouais. Déraciné et tout. Et on voit donc les troncs des sapins qu'on a fait scier il y a quelques mois. Hop. Donc, ça, c'est les troncs des sapins qu'on a fait scier le dernier coup. Il nous reste encore des planches. Voilà. Et donc, d'ailleurs, vous voyez ces sapins qui sont moches là. Il y en a certains qu'on va tomber aussi et avec lesquels on va faire des chevrons qui nous permettront de continuer nos constructions. Puisque ben voilà, ça c'est clair que là, voilà, on va faire comme ça maintenant. Quand on a besoin de poutres, de chevrons et de choses comme ça, c'est des arbres qu'on fait tomber, qu'on va faire scier. Donc voilà, bon, enfin voilà, vous aurez oh putain la vache, vous aurez eu une vue, entre guillemets, presque d'ensemble de ce lieu.
Et voilà, il y a énormément de possibilités, beaucoup de choses à faire, du relief à gérer. C'est là toute la... Moi, j'aime bien. Alors, c'est clair que c'est pas le terrain le plus facile. Hein. T'achètes, je sais pas moi, un hectare plat avec rien dessus, un ancien champ. Bon, t'auras pas le même boulot. Mais quand même, c'est l'éclat, je trouve. D'avoir du dénivelé comme ça, plein de relief. Déjà, en termes esthétiques, moi, j'aime bien. Et surtout, ça permet plein de choses. Quant à l'irrigation, hein, tu peux te faire des châteaux d'eau, tu peux jouer avec la gravité, tu peux jouer... Enfin, moi, j'aime parce que c'est... Il y a de la structure là-dedans. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyant qu'un jardin ultra plat. Alors, ça a son charme aussi, hein, les jardins français, les choses comme ça, à la française. C'est pas des choses que je déteste. Mais j'ai une préférence quand même pour ce qui va être bien... je sais pas, moi, j'aime bien quand... les forêts étagées, quoi. Allez, je déconne. Voilà, le prochain investissement aussi dans tout ça, là, c'est d'acheter un taillué là, sur perche. Là. Parce que ça, là, vraiment, ça, c'est pareil. Hein. Dès que j'ai une rentrée de pognon, là, que j'ai vendu un peu de bois ou quoi, là, j'achète ça, là, en... parce que j'ai les batteries, j'ai le chargeur, donc j'achète nu. Et comme ça, là, je peux tailler tous mes noisetiers nickel. Parce que les noisetiers, c'est tous les deux ans. Hein. Tous les deux ans, ça pousse comme du chien, non? Tous les deux ans, il faut que tu les retailles propre. Hein. Les sureaux aussi, c'est pareil. Enfin, bon. Voilà, et donc, on va finir sur... je sais pas combien de temps ça fait que je vous tiens la jambe, là, c'est affreux. Alors, j'ai l'impression de rien vous montrer, en fait, mais je sais pas, j'en sais rien. Je me rends pas bien compte, des fois. Des fois, vous savez, on se rend pas compte du travail qu'on fournit. Parce que pour nous, on a là, on se dit, bon, on n'a pas fait grand-chose. Ben, on a quand même sacrément turbiné pour nettoyer la grange. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas suffisamment... tu vois, quand je vous montre la mare, voilà, on commence le chantier, c'est dégueulasse, c'est fini, c'est joli, ouais, ok, c'est cool, ça rend bien. Là, je vous montre des trucs, bon... ouais, bof, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les travaux, hein, c'est... il y a des jours comme ça, tu bosses, tu sais pas vraiment ce que t'as fait à la fin de la journée, parce que t'as le nez dedans, en fait. Hein, et puis c'est les gens qui viennent, qui disent « Ah, putain, t'as fait tout ça !» Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc là, la terre qu'on prend donc derrière cette ruine, eh bien, on vient la poser ici, voilà, tranquillement. Hein. Et donc là, là, il nous reste bien évidemment à ratisser. Normalement, je suis censé débroussailler avant. Et le problème, là, c'est que j'ai plus de fil sur mon débroussailleur. Il faut que j'en achète. Mais donc là, voilà, il nous faudra bien ratisser ça. Tu vois, l'idée, ben, après, tout ça, ça va être bâché. Hein. Alors justement, d'ailleurs, si vous êtes patron d'un magasin ou vous faites de la revente ou j'en sais rien, de bâche tissée, on cherche un partenaire. On mettra en valeur sur plusieurs vidéos votre produit et votre entreprise. Il n'y a pas de souci, mais là, il nous faut de la bâche. Là. Il nous faut de la bâche, puis il nous en faut juste que là-bas de la bâche. Alors, s'il vous plaît, là, je pense, on a quoi? Il nous faut bien une largeur de 4 mètres, 4 ou 5 mètres, comme ça. Et puis, bien sûr, 150 mètres. Allez, il me faut deux rouleaux de bâche qui vont faire 4 mètres 50 ou 5 mètres par 100 mètres. Voilà. Merci. Non, mais sérieusement, si des fois ça vous intéresse, si vous êtes une entreprise ou que vous connaissez et que vous êtes prêt donc à faire un partenariat avec nous, nous on est chaud, hein, y a pas de problème. Et on fera ce qu'il faut pour vous mettre en valeur. Voilà. 150 mètres en 1 mètre pour mettre des murs tout le long des racines. Ouais, si Agnès elle veut d'autres trucs aussi. On vous fera une liste, ne vous inquiétez pas. Quand on fait des listes, généralement, les autres, ils sont là. Vous êtes sûr? Ouais, t'inquiète. Non, mais voilà. Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, l'idée, là, c'est d'avoir un talus bien propre de terre végétale jusqu'au bout, de bâcher tout ça. Et ensuite, eh bien, on fera comme on a fait pour le reste, c'est-à-dire mettre des plantes de talus au fur et à mesure des boutures qu'on fera. Hein. Et donc, comme je vous l'ai dit, mettre aussi une haie fruitière là, composée de petits groseilliers, de choses comme ça, histoire que les randonneurs puissent se servir. Donc voilà. Et donc, ça, je le dis, ça c'est public. Hein. Donc, si vous voulez, si vous êtes du coin et que vous voulez voir l'endroit, alors vous restez là par contre. Hein. Vous ne rentrez pas chez moi comme ça hein, quand même. Vous avez le droit de venir voir, ça ne me posera pas de problème. Bon, c'est pas le zoo, hein, vous n'êtes pas là à nous prendre en photo comme des salauds quand même. Mais vous avez le droit de vous promener, vous avez le droit de regarder l'endroit, on ne vous fera pas payer les gars. Voilà, donc voilà. Après, c'est simplement pour dire ça quoi. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens
viennent et regardent ce qu'on a fait, ça ne me dérange pas du tout, quoi. Donc si des fois, vous n'êtes pas bien loin de chez nous et que vous avez envie de voir ça, bon voilà. Après, nous rendre visite, ben, on est là, on n'est pas là, hein, ça. Voilà, sinon, il faut prendre rendez-vous. Hein. Bon, enfin voilà, et du coup, bon, ben, ça pour l'instant, on n'y met rien, puisque comme vous le savez, là, on doit faire un plan incliné, là, qui descend comme ça. Ça, ça viendra aussi plus tard. Enfin, ouais. Voilà, voilà. Bon, mais on va se laisser là. Hein. Hein, on a un colis à aller chercher. Ouais. Voilà. Donc, bon, après le jardin, tout va bien. Vous voyez, là, les courges, là, putain, mais c'est affreux quand même. Putain, on pourrait frimer avec ça. Là. Oh là là. Hein, oh là, là, bah là, là t'arrives, là, tu te mets devant tes courges. Regardez comment est-ce qu'on peut faire. Allez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les trucs et astuces des chaînes de permaculture. Et là, mon amour. Là, on va vous faire, vous allez voir comme c'est facile. Là, alors imaginez que cette vidéo a un titre comme 300 mètres carrés de courge, l'autonomie alimentaire. Hein, allez, on a mis ça comme titre. Allez, regardez. Voilà, et donc là, je me mets comme ça, là. Voilà, Agnès, légère contre-plongée. Non, ça, oui, si, pardon. Salut, salut. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, sans rien faire, j'ai une autonomie alimentaire presque complète à l'aide de ces magnifiques courges qui ont poussé sans eau et sans aucun travail du sol. Voilà. Non, mais voilà, c'est facile, quoi. Ouais, bon. Donc là, c'est quoi déjà ça? C'est des potimarrons, ça? Ouais. Bon, enfin voilà, potimarron, on n'a vraiment rien branlé là. Hein. Voilà, donc là ça s'étend, là c'est énorme quoi. Les courges de toute façon, c'est. Pff, c'est. Voilà. Bon, mais là on a rien fourni comme travail quoi. Bon, après les courges, hein, c'est pareil, hein, faut pas rêver, hein, en termes de calories, c'est que dalle. Si, il y a les. Voilà, puis il y a les betteraves là-bas qui sont pas trop mal, les oignons, tout ça. Enfin voilà quoi. Mais cet espace là, les patates qui sont en train de tomber tranquillement là. Donc voilà. Bon, enfin bref, voilà mes petits lapins. Et ben nous on va continuer de travailler, on a pas mal de choses à faire. On vous tiendra au courant des futures avancées, tout ça, tout ça. On vous fait des petits bisous. Merci à tous pour votre soutien, vos petits pouces bleus, vos abonnements. On vous dit à la prochaine. Ciao. Attends. Hop, bye.